bien que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, nous sommes mardi 16 octobre et il est 8h38. Je viens de finir de déjeuner. J'ai été conduire Stacy. J'ai fait mes... Enfin, avant d'avoir été conduire Stacy, j'ai fait commencer mes petites routines. J'ai été conduire Stacy. J'ai déjeuné. Et là, je vais nourrir mon levain et attaquer ma journée. Voilà. J'ai encore mal à la tête aujourd'hui. En ce moment, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est la fatigue ou quoi, mais j'ai toujours ce mal de tête qui persiste depuis ma grosse migraine. Bon, allez, bref, hein, malgré ça, faut continuer. Hein. Alors, aujourd'hui, il y a quoi au menu? Ce midi, c'est des clubs sandwich qu'on a fait hier avec Stacy. Donc, les clubs sandwich avec du jambon cru. Du fromage de chèvre frais là, et de la confinade de tomates. En dessert, c'est un yaourt. Et ce soir, c'est des œufs cocottes en coque de poivron avec des gaufres. Donc, c'est les gaufres. Ouh, je bégaye déjà. C'est des gaufres de Liège. Je sais pas si vous vous souvenez, on les a fait ensemble. Je les ai mis. J'avais fait beaucoup. Enfin, j'en avais fait beaucoup. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que les boules, je les mets au congélateur, comme je vous avais expliqué. Donc là, j'en ai au congélateur. Je vais juste en sortir 5 pour le dessert de ce soir. Alors, ce soir, on a réunion. Parents prof, donc il faut que je regarde si je peux m'avancer un petit peu pour le repas de ce soir, voilà, parce que j'espère qu'on va pas rentrer trop tard. Et cet après-midi c'est course. Alors je voulais faire un drive au champ, mais Chérie m'a dit oh non, il dit c'est bon, on va aller à Lidl. Donc du coup voilà, mais bon, j'ai peur quand je vais avec lui. Hein, vous savez pourquoi? Je devrais le retenir, hein. Bah, parce que là c'est vrai qu'en ce moment, hein, comme je vous ai dit, je sais pas si c'est l'automne ou quoi, ou qu'il doit se faire des réserves en fait pour s'épaissir un petit peu, mais malheureusement chez lui ça marche pas. Donc hein. Bref, oh là là, ce mal de tête va m'embêter encore une fois. Bon, j'ai pris un cachet, hein, j'espère que ça va vite passer. Bon allez, là du coup je vais nourrir mon levain en espérant, enfin en espérant, non, il faut que je fasse un pain ce soir. Donc je vais le nourrir et puis je vais attaquer finir mon ménage. Voilà, Angel dort encore, je vais aller voir parce que je pense qu'il commence à 11h aujourd'hui. Mais bon, il va déjà être presque 9h, enfin il est 9h moins le quart, 9h moins 20. Donc je vais voir ça. Bon allez, et il y a Luna qui est cachée quelque part. Je sais pas où. Je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue encore. Elle est dans la maison, hein, mais où? Parce que du coup, je vais la revoir sortir comme d'habitude. Alors à chaque fois, ça inquiète les enfants, mais comme je leur dis, elle peut pas être. Voilà. C'est un chat, ça se cache, et puis elle s'est trouvée une petite cachette pour elle dormir, et voilà. Elle va arriver. Et la dernière fois, on cherchait partout après, et elle s'était trouvée. Mais ce qui est là, ça nous inquiétait parce que la porte, elle était ouverte, et en fait, elle était cachée dans la bribuche. Donc on avait cherché partout, sauf là. Et elle avait su monter en haut au niveau de la brébuche, en fait. Bon allez, nourrir le levain et puis je vais aller voir Angel. Voir si il a tombé son réveil. Elle a tout à l'heure. Ménage fini. Du coup, bah là, je vais me faire un petit café. Je vais travailler un petit peu sur le PC. Ça me fait bizarre d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu ici. Il n'y a plus mon tableau menu. Chérie l'a enfin accroché. Enfin, il a tout recollé et rebouché. Enfin, le rebouché, il l'avait déjà fait il y a quelques semaines. Mais bon, là, il a tout recollé et tout. Il a tout bien remis. Donc, du coup, bah, on a accroché du coup bah, le tableau. Voilà, sur le meuble. Je sais pas si vous vous souvenez, le fameux meuble qui était tombé. Voilà, donc du coup on l'a mis ici, voilà, tout est rebouché, recollé, et du coup moi j'ai un mur vide ici là derrière. Mais bon, de toute façon il allait plus, hein, là, parce que avec le nouveau frigo, ça faisait trop, il était plus centré en fait par rapport au mur. Hop, et donc du coup voilà, là ça y est c'est fait, mais du coup ça fait bizarre, il me manque quelque chose derrière. Ah, il fait beau encore une fois, il fait doux, il fait bon, enfin... Vous voyez le temps doux avec juste ce qu'il faut comme fraîcheur pour aérer la maison. Là j'ai ma porte-fenêtre qui est ouverte en grand.
Et je viens d'astiquer la maison, j'ai mis un bâton d'encens, donc du coup ça sent bon. J'ai sorti la litière de Luna pour qu'elle aille dehors. Parce que voilà, elle cocotte là, mes mères, là, avec la pâtée Félix là. Mais on a fini une boîte, mais bon, il en reste deux. Hein. Mais le pire, c'est qu'elle les aime. Mais va falloir que je trouve une autre marque parce que franchement, là, c'est une infection. On peut pas, quoi. On verra ça. Je crois que je vais reprendre les Whiskas. Là, elle, ça allait aussi. Bah là, c'est parce qu'en fait, c'était une promo. Autrement, je prenais les Whiskas. Là, c'est parce que c'était une promo de acheter une gratuite. Mais bon, je comprends pourquoi c'était une promo, à mon avis. Ils doivent pas beaucoup les vendre parce qu'une fois qu'on s'aperçoit ça, on la achète plus. Elle joue avec Blue, c'est marrant. Ils jouent ensemble. Enfin, ils jouent ensemble. Ils se coursent l'un à l'autre. Et puis, Blue, quand elle est tranquille, bah, c'est lui qui va la chercher. Bah, en fait, elle était dans la chambre Angel. Je vous ai pas dit. C'est vrai que tout à l'heure, quand j'étais réveillée Angel, bah, y avait Luna qui était là. Alors, je lui dis, mais tu l'as pas entendu qu'elle était dans ta chambre parce qu'il avait fermé sa porte. Et il a pas entendu de la nuit. Et lui, comme c'est un lit en hauteur, je pense qu'elle a pas été le réveiller, en fait. Et si elle a fait du bruit, ben... il a pas entendu. Et je lui dis, mais elle t'a même pas miaulé pour descendre, ou pour aller aux toilettes, ou pour manger. Il me dit, bah non, j'ai rien entendu. Bon, la première chose qu'elle avait fait, du coup, quand en descendant, c'est aller à sa litière. Bon, du coup, on va devoir faire attention quand on la trouve pas le soir, parce que... Elle se planque et après on la trouve plus. Et là, comme c'est, comme je vous dis, c'est un lit en hauteur, à mon avis, elle a dû aller se cacher en dessous du lit. Ils jouent ensemble, ils se coursent. Bon, allez, je vais faire un café et je vais finir de monter le vlog d'hier. Allez, go! À finir à 11h aujourd'hui, il y avait un de ses profs qui n'était pas là, donc du coup ça fait un moment qu'elle est rentrée. Je travaillais un petit peu sur le PC et là on va manger. Alors elle a mangé des sandwichs, des club sandwichs comme je vous ai dit, et moi je me suis fait une petite salade. Alors il restait du jambon cru, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tout petit peu de fromage de chèvre dedans et je l'ai roulé. Et je me suis fait une salade de mâche avec quelques carottes, des graines germées de poireaux, les rouleaux que j'ai mis au-dessus comme ça, et puis un peu de vinaigrette au poivron. Voilà. Donc une petite salade sympa. Voilà. Alors moi je me lasse pas. Hein. En plus pour l'instant il fait beau, donc toujours un plaisir de manger mes crudités le midi. Allez, je vais manger et je vais continuer en même temps à répondre à vos commentaires. Voilà, à tout à l'heure. Coucou! Alors il est 14h pile et... On va aller faire les courses. Alors on allait chercher Stacy au collège à 3h30. J'ai eu le papier pour la réunion ce soir. Alors j'ai mis sur le papier comme quoi qu'on était libre de 17h à 17h30, hein, chérie, c'est ça? Et en fait j'ai tous mes rendez-vous qui sont à partir de 18h46 jusqu'à 19h. Non, j'ai mis qu'on était présent pas de 17h à 19h. Et en fait j'ai toutes mes rendez-vous qui sont de 18h46 à 19h20. Voilà. Alors, en plus, moi, j'ai vu que chaque rendez-vous avec chaque professeur, c'était 6 minutes.
Alors comme je dis à chérie, à mon avis, ça durera pas 6 minutes. Parce qu'il suffit qu'il y a des parents qui parlent un peu plus ou quoi. 6 minutes, c'est court. Enfin voilà, 6 minutes avec un prof. Le prof, il va dire quoi? Bon, ça va, bah, allez, vas-y, au revoir. Enfin voilà, il n'y a rien de temps de dire quoi en même temps, en 6 minutes. Bon voilà, alors à mon avis, on n'est pas rentré ce soir. Mais bon, l'avantage que c'est à 18h46, ça veut dire que chérie va pouvoir aller chercher les grands à 18h. Sans souci. Et puis ben, je vais pouvoir préparer le repas avant. Voilà. Bon allez, nous on file. Mettre mes chaussures et on va faire les courses. Allez, à tout à l'heure. Coucou, alors il est 4h. Vient l'entrée des courses. On va tout ranger. Enfin, je vais vous filmer d'abord le retour de course. On va ranger et ensuite je vais préparer le repas. Enfin, commencer à préparer le repas pour ce soir. Pour pas manger trop tard ce soir. On a été chercher Stacy aussi. Elle a fini avec le sport cet après-midi. Bon allez. J'ai pas de courage. Faut tout ranger en plus. J'ai encore mal à la tête. En plus, donne envie de vomir. Mais bon. Voilà. Et les Voilà. courses. J'ai rangé les courses. Je suis en train de commencer à préparer le repas de ce soir pour gagner un petit peu de temps. Donc, dans une poêle, j'ai fait cuire des petits dés de courgettes. Enfin, j'ai coupé les courgettes en petits dés. Voilà, comme ça. Avec un peu d'huile d'olive. Et de l'ail et une cuillère à café, une cuillère à soupe de basilic. Je vais saler, poivrer. Là, ils sont cuits et c'est ce qui va me servir de garniture dans mes œufs cocottes ce soir. Ensuite, je vais lancer la cuisson, la pré-cuisson des poivrons. Parce que là, si on se sert, parce qu'en fait, mes œufs, je vais les mettre dans des coques de poivrons, de demi-poivrons. Donc j'ai coupé des demi-poivrons rouges et je vais mettre mes œufs dedans. Mais si je les mets comme ça, mes œufs, ils cuivent en 10 minutes, le poivron, il sera pas cuit. Donc du coup, je vais commencer par les faire cuire, les faire pré-cuire. Alors je les ai mis dans un plat, je les ai coupés, enlevé l'intérieur, je les ai coupés en deux, enlevé l'intérieur. Et comme il y en a certains, vous voyez, ça tient pas très droit, je suis en train de leur faire une petite assise pour qu'ils tiennent droit. Et quand je mets l'œuf, ça reste droit. En fait, je prends juste un morceau d'aluminium. Je viens le rouler en boudin sans trop appuyer. Et je fais comme un rond quoi, en fait. Voilà. Hop. Et comme ça, je pose le poivron dessus. Et il tient droit. Il est. Voilà. Il est casé. Voilà, il bougera plus. Hop. Et je vais les mettre dans le four. J'ai fait préchauffer mon four à 180. Voilà, et je vais les enfourner du coup pour un petit 20 minutes pour qu'ils cuisent un petit peu. Alors pour la courgette, j'ai mis à peu près enfin j'ai mis deux courgettes, deux petites courgettes, mais je vais sûrement pas tout mettre. Le reste, je vais garder pour moi, je le mettrai dans mes salades. J'aime bien manger la courgette comme ça, cuite mais froide en fait. Donc je vais sûrement pas tout mettre. À mon avis, une belle grosse courgette, ça serait suffisant. Hop! Là, c'est parce que j'en avais deux dans le frigo et si je les faisais pas cuire après, voilà, j'en avais pas besoin pour cette semaine pour une autre recette. Donc, ça l'aurait gâché. Donc, je les fais cuire comme ça, je la mangerai, comme je vous ai dit, je l'ajouterai dans mes salades. Et là, je vais m'occuper du coup du fromage de chèvre. Alors, le fromage de chèvre, c'est un fromage de chèvre style Petit Billy, là. C'est un fromage de chèvre comme ça, fromage frais. Voilà. Et je vais le mélanger avec une cuillère à soupe de 6 boulettes et un peu de poivre. Ouais, je vais juste mélanger comme ça, comme je vous ai dit, un peu de poivre, de la ciboulette. Et je vais mettre des morceaux, enfin je vais en mettre dans le fond de mon. Avec mes courgettes. Hop, voilà. Je vais rajouter du poivre et je mets ça de côté. J'attends que mes courgettes, enfin mes poivrons sont cuits. J'aurai plus qu'à rajouter les courgettes, le fromage de chèvre et l'œuf et refaire cuire ça pendant 10 minutes, 10-15 minutes au four jusqu'à ce que l'œuf soit cuit. Et voilà, du coup, mon repas est déjà pratiquement cuit, pratiquement prêt. Il n'y a plus grand chose à faire, donc ce soir, j'aurai plus qu'à enfourner. Et par contre, je ne sais pas trop avec quoi je vais le faire. J'y ai pas réfléchi en fait quand j'ai fait mon menu, je me suis dit ben, je vais faire ça et c'est tout, mais en fait compte ça sera pas suffisant, faut que je fasse, je crois que je vais faire du riz à la tomate ou quelque chose comme ça en plus, je vais voir. Donc avec les œufs cocottes, enfin coque de poivron, je vais faire du riz à la tomate. Donc ce que j'appelle du riz à la tomate, c'est juste du riz piaf que je fais cuire
dans du concentré de tomate en fait. Enfin, que je rajoute du concentré de tomate dans le bouillon. Donc dans la cuve de mon cookie dough, j'ai fait revenir un oignon une fois qu'il était doré dans un petit peu d'huile d'olive. Une fois qu'il était doré, j'ai ajouté une petite boîte comme ça de concentré de tomate. Il y a combien dedans? Il y a 140 grammes. Et j'ajoute 300 grammes de riz, 300 grammes pour nous 5. Je vais ajouter 2 cubes de bouillon de bœuf. Et je vais ajouter de l'eau froide et je vais le mettre en programmation pour ce soir. Je mets de l'eau froide pour éviter que mon riz commence à cuire. Là, je vais m'arrêter la position dorée. Parce que si on met de l'eau chaude, le riz va commencer à cuire. Et comme c'est pour programmer, je vais avoir un riz qui va être trop cuit. Et un code d'erreur sûrement, puisqu'il n'y aura plus assez de liquide. Parce que le riz aura déjà tout bu. Voilà. Donc j'ajoute mes 2 cubes. Et tout à l'heure, au moment de servir, je rajouterai un petit peu de basilic dedans. Voilà, ça ira très bien avec les œufs, comme il y a des accents un petit peu italiens avec le basilic et tout dans les poivrons. Voilà, ça fera l'affaire. Hop, donc j'ajoute 600 d'eau sur le dessus. Et voilà. Il n'y aura plus que... à cuire ça tout à l'heure. Là, mes poivrons, ils sont cuits, donc je vais pouvoir les sortir du four et on va pouvoir continuer la sortie. Les poivrons du four, hop. Donc là, dans le fond, on va mettre un petit peu de préparation au fromage de chèvre dans le fond des poivrons. On répartit en fait dans chaque poivron. J'en ai 3, mais c'est pas grave, je vais le mettre dans une boîte sous vide et je m'en servirai pour mes salades cette semaine. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et là, il n'y aura plus qu'à casser un œuf. Donc je vais faire mon petit trou pour mon œuf et je vais casser l'œuf au milieu. Comme ça, ça va mieux pour tout mettre dedans. Là, il y avait certains qui sont passés au-dessus, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas dramatique. En plus, c'est des gros œufs que j'ai dans pas forcément des très gros poivrons. Donc, du coup, mais bon, ça ira quand même. Donc voilà, bah, du coup, c'est prêt. Il n'y aura plus que à mettre un tout petit peu de sel. Je vais le faire tout de suite, mais on fait attention de ne pas en mettre sur le jaune comme la dernière fois. Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait cuire le jaune. Donc je mets un tout petit peu de sel sur le blanc, je mets un petit tour de moulin à poivre et j'aurai plus qu'à enfourner ça tout à l'heure en revenant de la Réunion. Voilà. Et on mangera ça du coup avec le riz. Là, Stécie est en train de préparer toutes ses affaires. Je lui ai demandé de préparer son panier et tout, sa caisse. Parce que ce soir, à mon avis, si en espérant qu'ils n'ont pas de retard. Et qu'on rentre pas trop tard. Mais voilà, après ça va vite passer. Tant qu'elle prend sa douche, qu'on mange et tout. Voilà. Bon, allez, je vais mettre ça de côté. Et du coup, ben voilà, il n'y aura plus qu'à enfourner ce soir. Le riz sera cuit. Et voilà, le repas est prêt. Bon, allez. Bon, voilà, tout est fait. À tout à l'heure. Ah, je vais me prendre un café, me poser un petit peu sur le PC. J'ai rangé ma cuisine, j'ai fait la vaisselle. Comme ça, ben, il n'y a plus rien à faire. Et puis, il n'y aura plus qu'à enfourner et à finir de cuire tout à l'heure. Voilà, je voulais vous montrer aussi mon levain. Regardez comment il gonfle. Il triple de volume, quoi. Alors voilà, on verra le pain ce soir. J'espère que... Hein ?
Parce que franchement, il lève super bien. Donc, logiquement, le pain... Là, j'avais pas fait de pain aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris un pain aux noix. Aussi. Aussi parce que j'aime bien. Hein. Mais oui, c'est vrai que je vous dis que j'ai pris un pain aux noix. C'est parce que j'ai pris un pain aux noix à mon retour de course. J'ai pris le pain aux noix de chez Lidl. J'adore ce pain, en fait. Il est très bon, je trouve. Même Stécie, elle aime bien. Hein. Ouais. Et du coup, en fait, bah, je l'ai pris parce que j'avais pas de pain et que j'avais pas fait de pain. Et aussi parce que je l'aime bien. Voilà. Bon, allez. Moi, je vais boire mon café. Et puis... puis travailler un petit peu sur le PC en attendant. Il est 6h moins le quart. La chérie est partie chercher les grands au lycée. Et une fois qu'il sera rentré, on devra y aller. Voilà. Bon, allez. Tout à l'heure. Alors, tout ce que j'espère, c'est que ce soir, les profs seront bien carrés, qu'ils prendront bien les personnes dans l'ordre et qu'il n'y a pas des parents qui n'ont pas pris rendez-vous qui vont s'incruster et qu'ils n'auront pas trop de retard. Voilà. Parce que j'espère être rentrée comme sur mon planning l'indique pour 19h30. Hein? Allez, on croise les doigts. Allez, à tout à l'heure. Coucou, maman. Il est 20h20. Ça fait un moment qu'on est rentré. Ça fait quoi? Bon, 40 minutes qu'on est rentré de la réunion. Ça s'est bien passé, mais bon, comme je vous ai dit, je n'en doutais pas. Hein. Parce que si ça se passe très très bien, elle est très scolaire, donc voilà. Donc du coup, j'ai fait cuire les gaufres pour le dessert de ce soir, les pâtes à gaufres que j'avais sorties ce midi pour en dessert. Le riz est cuit et les œufs aussi. Voilà. Donc on va pouvoir passer à table les œufs cocottes en coque de poivron. Bon, bon, on va se dépêcher, on va manger parce que c'est pas tout ça, hein. Mais demain il y a l'école. Tu peux prendre? Hein, oui, tu peux prendre. Allez. Coucou, alors il est 21h10. Ça y est. Cuisine rangée et bien nettoyée. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il y a pas les... T'arrives pas à les mettre? Il y a... Qu'est-ce qui arrive pas? Il n'arrive pas à mettre ses chaussettes. Il y a quoi? Bah, c'est assez motonné à l'intérieur. Mais et... ça, pourquoi je fais ça? C'est parce que ça ne suit pas. Bah ouais. Bah... Comme ça. Essaye. C'est la doublure, en fait, je pense. Il y a une doublure en moumoute. C'est papa qui m'a dit de prendre cette taille. J'aurais dû prendre plus grand. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça, il y a gros truc là. Il y a quoi? Il y a quoi tes chaussettes? T'as vu ça? Il y a un truc au bout. Mais quoi, il y a un truc au bout? Mais c'est la moumoute qui m'a laissé ma main à l'intérieur. Elles vont pas? Bah, ça fait un gros pâté au bout là. Ça fait un gros pâté. Mais ouais. Non, c'est pas un gros pâté, c'est la moumoute. C'est rien, elle va se mettre correctement à la force. Mais c'est tout aussi, regarde, t'es pas doué comment tu les mets. Oh là là! Il sait pas mettre des chaussettes! Hein? Ça va mieux? Elles vont se mettre, elles vont se donner. C'est la moumoute qui est à l'intérieur, la doublure. Oh là là. Bon, comme je disais, donc il est 21h12 maintenant. Et j'ai tout fait. J'ai rangé la cuisine. J'ai fait le pain aussi pour demain. J'ai fait un pain aux graines. Alors je croise les doigts pour que mon levain, parce que vous avez vu, hein, il avait bien triplé de volume. Hein, donc j'espère que il aura bien doublé demain et qu'il gonflera bien. Mais bon. Après ça va venir, au fur et à mesure il va prendre de la force et je désespère pas comme je dis toujours, ça va arriver. Mais bon j'ai hâte quand même. Bon quoi que le pain aux noix était très bon hein. Parce que, voilà, il reste, on va dire 5 tartines peut-être. Enfin, on va dire 3 et le cul quoi. Le cul du pain. Bon il y en a assez pour moi demain matin déjeuner. Mais bon, c'est vrai que souvent ce pain-là, les enfants ils aiment bien. Je sais pas, je serais curieuse de savoir
Les ingrédients quand même. Qu'il y a dedans. Quelle farine ils utilisent pour le faire. Parce qu'en fait, il est moelleux. Un peu comme... un peu comme brioché, quoi, en fait. Ouais. Ouais, avec une mie assez dense. Enfin, voilà, il est bon. Bon, demain mercredi, milieu de semaine. Et logiquement, on n'a rien de prévu. Oh, zut. Je viens de voir des taches de sauce tomate sur mon... Il y a mon riz sûrement qui a... Va falloir que je frotte. Ça va me tracasser. Et oui, donc je disais, demain, on n'a rien de prévu. Ah si, on va chercher nos lunettes. Logiquement, si tout se passe bien, on va chercher nos lunettes. Celle de Kim, enfin celle de tout le monde, quoi, en fait. Kim, Angel, les miennes. Et celle de Chérie. Donc voilà. Par contre, dis Chérie, on a oublié de mettre à jour les cartes vitales. Va falloir qu'on y passe avant d'y aller. Hein ? Il faudra que tu me les laisses pour que j'y aille. La dernière fois, quand on a été, ma carte vitale à moi était à jour, mais pas celle de Kim ni celle de Chérie. Donc du coup, il faut qu'on aille les mettre à jour à la pharmacie. Mais ce que je comprends pas, c'est quand on était passé à la pharmacie 2-3 jours avant et qu'ils nous avaient rien dit. Mais bon. Donc du coup, il faut qu'on aille faire ça avant. Oh là là. Je suis fatiguée encore une fois ce soir. Il est temps que ce soit les vacances. Je le dis tous les jours, hein, mais voilà. Il est vraiment temps. Mais le pire, c'est que je dis ça et que quand ça va être les vacances, je vais dire « Ah, vivement qu'il reprend une... J'en peux plus !» Parce qu'ils n'ont pas arrêté de se disputer ou quoi que ce soit. J'arrête pas de regarder ces tâches, là, ça m'énerve. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous allez peut-être pas vous disputer. Vous allez faire exception et faire un effort pour votre maman adorée chérie? Bah. Ouais. Ah, c'est gentil. Tu commences à quelle heure demain, Loulou? 8h. 8h. Bah, il faudra peut-être que tu ailles te coucher aussi, non? C'est match de foot ce soir. C'est quoi? C'est qui joue? France-Allemagne. France-Allemagne. C'est un match de coupe? Non. C'est quoi? C'est bon. Tu sais... Si, c'est un match de coupe. C'est pas un match amical, c'est ça que je veux dire? Non. Non. Moi, j'y connais strictement rien et je ne suis absolument pas. À part quand c'est la Coupe du Monde. Et encore. Mais c'est tout. Voilà. Et encore. Hein. À la Coupe du Monde, je suis arrivée. Voilà, demi-finale où là, ça commence à devenir intéressant. Avant, on s'en fout. Bon, allez. Moi, je vais aller sous la douche. Et puis ensuite, je vais monter. Je vais aller me coucher. En espérant trouver assez vite le sommeil. Oh, désolée, je baille encore une fois. Parce qu'en ce moment, j'ai du mal à dormir. Mais le matin, quand je me réveille, wow, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi assez. Bon, allez, on y va. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. Bisous.